Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo recette, comment faire la sauce tomate pour la conserver. Donc aujourd'hui, moi j'ai 10 kilos de tomates à travailler quoi. Donc 10 kilos, ça représente 4 récoltes de mon jardin. Donc cette année, j'ai eu à peu près une quarantaine de kilos de tomates, c'est pas mal. J'ai 4 variétés de tomates. Donc il y a la Ondine cornue, Rose de Berne, la fameuse cœur de bœuf. Et la dernière, elle est où? La Saint-Pierre. Voilà. Alors je vais vous donner les ingrédients pour la recette pour 1 kg de tomates fraîches. Donc pour 1 kg de tomates fraîches, il vous faut 400 g d'oignons, une à deux gousses d'ail, du vin rouge, de l'huile d'olive, des cerneaux de noix, 3 branches de persil et sel poivre. On a tout après. Alors la première étape, c'est de nettoyer les tomates, donc passez-les sous l'eau, nettoyez-les. Ensuite, il va falloir enlever la tête, la tige. Donc c'est parti. Si vos tomates sont un petit peu abîmées comme celle-ci, enlevez bien la partie qui est abîmée, hein. N'hésitez pas à couper. Comme c'est pour de la conservation, il faut vraiment que les tomates soient nickel, quoi. Alors une fois que vous avez fini de nettoyer les tomates, il va falloir s'attaquer aux oignons. Le plus simple, c'est de peler l'oignon dans de l'eau en fait. Comme ça pique moins. En plus, ça le nettoie, donc c'est parfait. Il faut les hacher grossièrement aussi. Voilà, comme ça. Ça, on peut le faire une fois que tous les oignons sont pelés, c'est plus simple. Les oignons, vous les faites blondir dans de l'huile. Alors une fois que la sauce a bien réduit, il faut passer le tout au moulin à légumes. C'est parti.
y a toute la peau des tomates qui reste, les morceaux de noix aussi. Voilà notre sauce tomate. On laisse bien 2 cm pour que la fermeture soit correcte, pour que le vide se fasse en fait. Voilà. Alors voilà le résultat. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. On a 8 litres. 8 litres de sauce tomate pour 10 kilos de tomates et 4 kilos d'oignons. C'est pas mal quoi. Donc ça tiendra un an jusqu'à la saison prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire dans les commentaires et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.